bouffer, il reste 5 minutes, partout, non, des mineurs, compliqué. Ou alors, alors... J'ai retrouvé récemment mon premier journal intime démarré au CE2. Je peux vous en lire quelques extraits? Ah, oui. Ouais, ouais. Non, partout. Ah bah... D'accord, parce que moi, je peux pas... Un autoportrait. Le narcissisme bien prononcé dès le plus jeune âge, c'est Rosa, utilisation de la troisième personne. Top secret Rosa. Secret S-E-C-R-E-R. Rosa souligné. Je m'appelle Rosa. Je suis très timide, j'ai pourtant un chat. Je suis très amoureuse de Thomas Le Gall, dessin vainqueur. C'est top secret. Je partage que avec Lucie, parce que c'est mon amie. Lucie qui se marie en mai en Alsace. J'ai peur de dire à Thomas, mais je rêve de lui. Top secret. J'ai l'impression que Lucie fait des choses louches. Pourtant, je l'aime, mais elle... Point d'exclamation, trois petits points. Et le pourtant, qui revenait beaucoup. Voilà. Je ne sais pas, je pense sans arrêt à Thomas Le Gall. Lui, il m'ignore, je n'aime pas beaucoup Leïla. Sans transition. Ouais, ça n'a pas changé. Attendez, Leïla, c'est une autre fille, on se dispute et on s'aime bien. Eh ben alors, les Israéliens et les Palestiniens, mettez un peu d'eau dans votre vin. J'aimais bien Leïla avant, mais maintenant pas trop. J'aimerais être la copine de Thomas Le Gall, mais je n'y arrive pas. Top secret S-E-C-R-E accent aigu. Oh. Je ne me sens pas très bien dans ma peau. Je suis un petit peu enveloppée. Mais les autres sont maigres. Je voudrais le dire à mes parents, mais j'ai peur qu'ils me disent « T'as qu'à faire un régime et ne plus manger de bonbons. » Je voulais être maigre pour plaire à Thomas Le Gall. Top secret, Rosa. On est samedi, je me sens seule, j'aimerais aller chez une copine, mais laquelle? Top secret, secret S-E-C-R-E-T. Ouais. Mais top avec un E. Nous sommes en août, je suis seule dans ma chambre. Je suis très triste, alors j'écoute de la musique. Ça me fait penser à Thomas Le Gall. Dessin d'un cœur, suivi d'un dessin d'une larme. J'aimerais tant qu'il m'aime, mais il aime Flore et Juliette. Je suis triste, j'aime Thomas, cœur. Et Flore, c'est celle qui s'est mise au pole dance. Et la polygamie chez les enfants, ça dérange pas, hein? Donc ils demandent pas d'alloc. J'aimerais que Thomas m'aime pour de vrai, pas un génie qui le fasse. Influence du film Aladdin. Ou alors qu'il soit mon meilleur ami, après je me débrouillerai. Mais la meilleure amie de Thomas, c'est Lara. Je ferai tout pour qu'il soit dans ma classe l'année prochaine. Rosa et Thomas égale cœur, flèche, vers nos deux prénoms et naissance d'une sociopathe. Et voilà comment tout commence. Top secret, Rosa. Nous sommes jeudi, je devrais être à l'école, mais je suis malade, j'ai la grippe, je m'ennuie pas trop, mais je pense à Thomas. Encore. Nous sommes en 1998, c'est un an après. Je suis en scène. J'aimerais tant qu'il soit dans ma classe, déjà que l'année dernière, il n'y était pas. Je me sens seule. Et donc, les plans machiavéliques avaient échoué. J'aime Thomas, je... Allez, une dernière page. Top secret, Rosa. Je vais essayer maintenant d'écrire tous les jours mon journal intime. Bon, en revenant à Thomas. Je l'ai pratiquement oublié. Mais je ne l'aime plus. Il est trop violent. Et de toute façon, il ne m'aime plus. Je pense qu'il t'a jamais kiffé, ma grosse. Je vais dessiner la liste des garçons que je trouve mignons. Dessin d'un parchemin médiéval. Avec en première position, Thomas Le Gall, hein, qui tient bon, qui est encore là. Suivi de Mathias Labelle, entre en gros trois petits points. Voici ces trois garçons que je trouve mignons. Pour être franche, je trouve toujours Thomas mignon. Mais il ne m'aime pas.
dessin de trois larmes, écrit larmes, flèche vers les larmes. Bon. Et ben c'était un éclairage intéressant. Voilà.